C'est encore ce rêve étrange. Je me demande à quoi mène la porte dans ce livre. Je me souviens avoir vu un bureau briller dans le rêve. Attends, pourquoi mon bureau brille-t-il? Suis-je encore en train de rêver? Rebonjour, c'est moi, Isabelle. C'est le bureau laissé par votre grand-mère qui sert de passerelle au monde des histoires. Votre seul espoir de sauver votre maison dans le royaume des histoires se trouve ici. Grand-mère? Le royaume des histoires? Espérant retrouver le mystère concernant mon identité, je tends ma main pour toucher le bureau. La reine Marie, changez votre destin. Coucou tout le monde, coucou mes petits renardos. Je vous retrouve pour un jeu un peu particulier puisque bah, vous le voyez au format, je suis sur téléphone. Et en fait, je suis tombée sur ce petit jeu, bah, voilà, ça s'appelle Type Princess. Et bah, j'en suis un peu tombée accro, je vais jouer un peu comme ça sans tester tout ça. Et en fait, c'est un petit jeu, bah, c'est un visual novel en fait. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça changera un peu des jeux que je peux faire et tout. Et ça, c'est assez amusant quelquefois. Donc voilà. On va voir ce que ça va donner. Si ça vous plaît, bah, je continuerai. Et je sais qu'il y a... Ici, c'est parce que la première histoire, c'est la reine Marie-Elisabeth. Hein. Antoinette, pardon. La reine Marie-Antoinette. Donc la reine de France. Mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'histoires particulières à faire. Donc aussi bien des trucs historiques que des trucs fantaisistes, mille et une nuits, tout ça. Donc pourquoi pas? Allez, voyons voir un peu ce que ça donne. La voie vers le monde des histoires est désormais ouverte. Appuyez ici pour y aller. Donc là, en fait, moi, j'y ai déjà joué, donc techniquement, je suis plus loin. Mais là, j'utilise un émulateur pour au moins revoir le début du jeu. Et après, je reprendrai ma partie à moi. Mais on fera évidemment des histoires. Ben voilà. Bienvenue. Vous voilà dans le monde des histoires. Explorez et terminez des histoires pour essayer de sauver le royaume des histoires. D'accord. Alors. Chapitre 1.1. Déroulement du destin. La vie du protagoniste d'un livre est souvent remplie d'histoires et d'événements passionnants. Je me demande ce qui m'attend en tant que Marie-Antoinette. D'accord. Votre Majesté, levez-vous maintenant. Le roi ne doit pas vous voir dans cet état. Je regarde autour de moi. Je suis dans une grande pièce et je ne reconnais pas la personne qui se reflète dans le miroir. Serais-je dans le monde du livre? Vous ne devez plus sortir gambader comme ça jusqu'au petit matin, Votre Majesté. J'entends la voix sévère d'une femme d'âge moyen. Une vague de souvenirs et d'émotions appartenant à la propriétaire de ce corps envahit mon esprit. Je suis Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI, de la maison de Bourbon. Donc évidemment, pour certains, vous connaissez l'histoire de Marie-Antoinette. Hein. Évidemment, le but ici va être de changer l'histoire, afin que nous ne soyons pas décapités par le peuple. Alors c'est bien parce qu'on peut avoir des informations, en plus ça c'est cool. Maison des Bourbons. Les Bourbons ont atteint le statut royal au XIIIe siècle, lorsqu'une héritière Bourbon s'est mariée à la dynastie capétienne. Les descendants ont hérité du titre du duc de Bourbon, d'où le nom de famille Bourbon. La maison des Bourbons a autrefois dominé plusieurs pays d'Europe. Au XVIe siècle, les Bourbons ont régné sur la France et la Navarre. Et au XVIIIe siècle, ils ont régné sur l'Espagne, Naples, la Sicile et le Luxembourg. D'accord. J'aime bien aussi le fait qu'on ait des informations pour compléter notre connaissance. Tout le monde la voit comme une dépensière qui ne pense qu'à s'habiller et s'amuser. C'est la reine qui eut la tête coupée pendant la Révolution française. Donc on a aussi une explication. La Révolution française a eu lieu le 14 juillet 1789. Les civils ont formé des forces armées et ont occupé tout Paris. La Révolution a mis fin à des siècles de règne des Bourbons ainsi qu'à la monarchie française. Elle a eu une énorme influence sur le reste du monde et certaines des idées en découlant ont été largement acceptées tandis que d'autres ont suscité de grands débats. D'accord. Elle ? Pourquoi elle? Oh bon sang. Il est bientôt l'heure pour vous de voir le roi. S'il vous plaît, mettez ces vêtements que j'ai préparés pour vous. Oh, joli. Oui, c'est aussi un jeu de dressing.
Mais bon, le dressing, je m'en fiche un peu, c'est surtout l'histoire qui m'intéresse. Il y avait quand même des trucs assez chouettes. Mon esprit est en plein chaos. J'hésite entre un instant avant de prendre ma décision. Bon, on va se changer, hein. On va pas commencer à se battre. Mes pensées sont encore entremêlées, mais elle a raison. Je ne devrais pas m'attarder. Alors, vous inquiétez pas, quand il y aura des décisions importantes, ce sera marqué ici. Ça dira un truc du genre le choix que vous allez prendre va changer l'histoire, entre guillemets. Enfin, va être importante pour l'histoire. Très bien, aidez-moi à me changer. Il est important de porter les bons vêtements pour bien jouer votre rôle. Ne vous inquiétez pas, je vous aiderai pour commencer. Appuyez ici pour voir quel type de vêtements il vous faut pour réussir. Porter ses vêtements avec ses étiquettes pour passer plus facilement ce chapitre. Donc grandiose Marie-Antoinette, ok. Et élégant, ok. Utilisez la fonction de recherche pour trouver rapidement les vêtements qui portent ces étiquettes de style. D'accord. Sélectionnez les étiquettes que nous venons de voir. Donc, dégage. Donc, grandiose, élégant, voilà. Une fois votre choix effectué, appuyez ici pour lancer la recherche. Seuls les vêtements avec les étiquettes correspondantes sont désormais affichés. Essayez une tenue maintenant. Voilà, donc, hop. Voilà, c'est le tuto, hein, donc, voilà. Donc, normalement, on a aussi les chaussures. Voilà, et je ne pense pas qu'on ait... Si. Ah si, on a un petit ruban. Voilà. Ah, c'est bon. Et on a une note à la fin. Voilà. Pour dire comment on va réussir le chapitre. Ok. Je dois vous remercier, Votre Majesté. Il est rare que vous coopériez avec moi quand Léonard n'est pas là. Alors, qui est Léonard? Léonard Alexis Hautier est un styliste incroyablement talentueux et créatif. Son génie créatif a fait de lui le styliste le plus recherché de la cour. Il a même créé une coiffure spéciale pour Marie-Antoinette appelée le Pouf, qui est devenue à la mode dans toute la France. C'est vrai que Marie-Antoinette avait des tenues apparemment très intéressantes. C'est moi qui devrais vous remercier, Madame Degnaud. Ok, donc c'est Madame Degnaud. Madame Degnaud s'est occupée de Marie-Antoinette après son mariage avec Louis XVI. Madame Degnaud est la dame de compagnie de la reine et s'occupe de ses leçons d'étiquette, de langue et de danse de cour. Ok. Je me fige en prononçant inconsciemment son nom. Il semble que je commence lentement à ne faire plus qu'un avec Marie-Antoinette. Je ne fais que mon devoir. Sa Majesté sera ravie de votre apparence. Je réalise que je suis sur le point de voir l'époux de Marie. Je me sens soudain très nerveuse. Va-t-il remarquer quelque chose de différent, moi? C'est la première fois que je le vois et je dois faire preuve de vigilance. Le château est grandiose et luxueusement décoré. Ça semble irréel. Et pourtant, bien que je ne l'aie jamais vu auparavant, il m'a l'air étrangement familier. Oula, oula. Me sentant faible, je marche accidentellement sur l'ourlet de ma robe et trébuche. Je ferme les yeux, me préparant à l'impact de ma chute. Attention. Ah, qui c'est? Oh, bonjour. Pardonnez-moi, Votre Majesté. Veuillez faire attention où vous mettez les pieds. L'homme qui m'a attrapé a passé son bras autour de ma taille. Après s'être assuré que j'ai retrouvé mon équilibre, il me lâche et s'éloigne rapidement. La mémoire de Marie me dit qu'il s'agit du marquis de Lafayette. Votre Majesté, en tant que reine de France, vous devez respecter le plus haut niveau de décorum. Je suis juste... Même si vous ne vous sentez pas bien, vous devez vous rappeler. Votre conduite influe sur la réputation de la famille royale, ainsi que sur celle de la France. Je dois me présenter au roi maintenant. Permettez-moi de prendre congé, je vous prie de m'excuser. Il s'éloigne, mais je sens encore la chaleur de sa main sur ma taille. Au vu de son attitude et du ton de voix de Madame Degnaud, je suppose que je ne suis pas tout à fait la bienvenue ici. C'est un miracle de pouvoir rentrer dans la peau d'une reine. Mais quelle situation désastreuse pour moi. Il faut savoir que Marie-Antoinette était très mal aimée de son peuple, hein, à cause justement de ses fantasmes, de ses fantasques, pardon. Je prends une profonde inspiration, remontant ma robe et continue à marcher vers le carrosse. Le couloir qui s'ouvre semble incroyablement long. Il se termine par une imposante porte en nez d'iris. Qu'y a-t-il derrière cette porte? Je n'en ai aucune idée, mais maintenant que je suis devenue la reine, je dois continuer. À partir de maintenant, c'est à moi d'écrire mon propre destin. Ouais.
perruque. Enfin, c'est plutôt une coiffure, mais bon. Incroyable, vous avez débloqué une histoire et incarné son personnage principal. Je serai avocate à partir de maintenant. Vous pouvez consulter mes suggestions ici. Ok. Et maintenant, essayons de poursuivre mes suggestions. Alors, chapitre 1-2, la vie d'une reine. Alors évidemment, vous voyez, hein, j'ai une base d'énergie pour pouvoir faire les chapitres. Donc évidemment, quelquefois, faudra quelquefois peut-être attendre. Mais bon, en même temps, je sais pas tous les combien je posterai ces petites vidéos, mais on verra. Maintenant, comme moi, j'ai déjà débloqué une partie d'histoire, je pourrais sûrement faire le début assez rapidement. Mais voilà, on verra. Alors, la vie d'une reine est loin d'être ce que à quoi je m'attendais. Je suis entourée d'amis sincères et bien sûr, d'autres personnes mal intentionnées. Je vais devoir être prudente ici. Logique! Surtout que tu n'es pas n'importe quelle reine. Les souvenirs commencent à me revenir, ils sont flous. Sont-ils réels ou est-ce juste un rêve? J'ai passé mon enfance au château... Alors, désolé pour la prononciation. Schönbrunn. Et ma mère, Marie-Thérèse, était très occupée à diriger le pays. Alors... Bâtiment baroque situé dans le sud-ouest de Vienne, capitale de l'Autriche, le palais de Schönbrunn est le palais royal de la famille royale des Habsbourg. Sous le règne de la reine Marie-Thérèse, le palais a fait l'objet d'une rénovation majeure afin d'accueillir tous les membres de la cour royale. Le palais occupe 95 hectares et compte 1441 pièces. C'est un beau bébé. À 14 ans, j'ai épousé le prince héritier de la couronne de France pour l'avenir de la France et de l'Autriche. Je me rappelle encore ce que ma mère m'a dit avant que je parte. Faites attention, faites autant de bien aux Français qu'ils puissent croire que je leur ai envoyé un ange. La claire lumière du matin pénètre dans la chambre. Je suis allongée sur le lit de Marie, dans le doux confort des draps en soie. Tout semble irréel. Mon visage est mouillé et je me rends compte que je me suis mise à pleurer. Est-ce parce que je suis dans le corps de Marie? Ses sentiments et ses souvenirs continuent d'affluer dans mon esprit. Et j'ai le sentiment d'être maintenant Marie. Bonjour Marie. Léona attend déjà dehors avec une superbe robe. Je suis sûre qu'elle vous plaira. Oh, pourquoi pleurez-vous? Le roi a-t-il découvert que vous avez joué avec nous toute la nuit? Vous a-t-il puni? Ses yeux de biche semblent inquiets. C'est mon amie la plus proche et l'une des rares à Versailles qui s'intéresse vraiment à moi. Je ne suis pas Marie, mais je l'aime beaucoup. Il est difficile de faire la différence entre les sentiments de Marie et les miens. Non, il n'a pas... Le roi a soudainement dû s'entretenir avec Lafayette, si bien que nous ne sommes finalement pas vus. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je pensais juste à ma mère et à mon enfance à Schönbrunn. C'est tout. Vous avez le mal du pays? Dois-je vous préparer du gougelhoff et des croissants? Alors c'est quoi du gougelhoff? Les gougelhoff sont connus pour leur forme en couronne. Ils sont conçus à partir d'une pâte à levure molle et de nombreuses régions ont leur propre variante. Au début, ils étaient communs dans toute l'Europe centrale et on les servait à Noël, lors des mariages, des anniversaires et autres célébrations. Les gougelhoff ont commencé à devenir populaires à la cour de France après le mariage de Marie-Antoinette avec la royauté française. D'accord. Vous m'avez montré comment les préparer. Ils n'auront probablement pas le même goût, mais je peux essayer. Ce serait parfait, merci Gabrielle. Vous avez dit que Léonard attend dehors? C'est exact. Il peut apporter les nouveaux vêtements pendant que je prépare les pâtisseries. Mais si vous ne vous sentez pas bien, je pourrais lui demander de revenir un autre jour, qu'en dites-vous? Ça ne va pas le déranger? Ne vous inquiétez pas, il comprendra, j'en suis sûre. La brise matinale ondule, les délicats rideaux. Au son du chant des oiseaux, tout semble parfait. Très gracieuse reine, vous êtes aussi belle qu'à... Mais que portez-vous là, mon Dieu? Une si grande beauté réprimée, mon cœur souffre. Pourquoi n'êtes-vous pas habillée conformément à mes instructions? Ce n'est pas si horrible que ça, non? Madame de Nieu a dit que c'est la façon la plus appropriée de s'habiller au palais. Mais non, pas du tout.
Pourquoi l'avez-vous laissé changer vos vêtements? Vous êtes la reine et la maîtresse du château de Versailles. Vous pouvez porter ce que vous voulez. Elle est si démodée et ennuyeuse, ah, mes yeux me brûlent. Je ne peux plus regarder ça. Peu importe, ma chère. Hier, le roi m'a dit de concevoir juste quelque chose pour vous. Quelque chose à la hauteur de votre beauté. Sa majesté, pourquoi ferait-il? Le roi m'a dit qu'il vous excusait de ne pas vous avoir vu hier. Voici donc une petite surprise de sa part. Vite, essayez ça. J'ai passé toute la nuit à coudre. Oh, joli, brise d'été. Le sourire de Lenard est contagieux. Le soleil revient dans mon cœur. Les vêtements sont magnifiques, j'ai hâte de les essayer. Voici les étiquettes de style nécessaires pour terminer ce niveau. Pensez qu'à utiliser la fonction de recherche pour trouver les vêtements qui correspondent aux étiquettes requises. D'accord. Donc, grandiose et festive. Ok. Si deux articles ne peuvent être portés en même temps, celui que vous mettez en premier sera enlevé en essayant le second. D'accord. Il suffit d'appuyer... Ok, d'accord. Tais-toi. Non, mais tais-toi. 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 Merci. Astuce, maintenez appuyé sur un vêtement pour obtenir les informations données. Ah oui, d'accord. Et là, on a grandiose et festive. Voilà. Hop. Donc là, on a qu'une seule paire, de toute façon. Et on a un petit chat. D'accord. Poussiérez augmenter le score de votre tenue. D'accord. Bon. Et ben voilà. Parfait! Vous êtes la plus belle femme de toute la cour! La plus belle du monde! Je tourne lentement devant le miroir deux fois de suite. Je suis totalement subjuguée par la beauté de la robe. Oh, c'est magnifique! Merci, Léonard! C'est un plaisir pour moi de faire de vous la plus élégante des reines. Je vais prendre congé. Je vous montrerai mes dernières esquisses la prochaine fois. Au revoir! Marie, vous êtes si belle. Aucun mot ne pourrait décrire votre beauté. Je suis heureuse de vous voir plus enjouée. Le goujolof et les croissants sont prêts. Goûtez-les et voyez s'ils vous plaisent. Gabriel me conduit à une petite table à thé. L'odeur familière des délicieuses pâtisseries fait monter la nostalgie. Gabriel, vous êtes trop gentil avec moi. Vous dites toujours ça, mais je n'ai jamais vraiment fait quoi que ce soit pour vous. C'est vous qui êtes trop gentil avec moi, Marie. Si vous n'aviez pas insisté pour me garder et payer mes dettes familiales, je ne serais même pas à Versailles. Oui, je me rappelle. J'étais la seule qui lui tendre la main pour l'aider. Elle est toujours à mes côtés dans mes souvenirs. Après avoir passé deux jours ici, je comprends pourquoi Marie l'aime tant. Personne ne m'aime, sauf Gabriel et Léonard. Ils s'associent de moi et me tiennent compagnie. Ne dites pas ça, vous êtes gentil avec moi. Alors c'est normal que je sois gentil envers vous en retour, non? Marie. Alors que je me penche en avant pour saisir ses mains, une voix sévère s'élève du couloir. Duchesse de Polignac, je ne comprends pas. Comment pouvez-vous vous promener dans le palais après votre humiliant scandale? C'est Madame Adélaïde. Marie, puis-je partir? Je verrai plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, oula. Marie Adélaïde de France... Ah! Voilà, Marie Adélaïde de France est la fille de Louis XV, une princesse française. Sous le règne de Louis XV, Adélaïde et ses sœurs ont tenté de mettre un terme à la relation de Louis XV avec Madame du Barry, mais en vain. Depuis que son neveu Louis XVI est monté sur le trône, Madame Adélaïde n'est pas en bon terme avec sa femme, la reine Marie. Pour diverses raisons, Madame Adélaïde ne s'est jamais mariée. D'accord. Sans attendre que je fasse un signe de tête, Gabrielle tente de s'enfuir comme une biche paniquée qui échappe désespérément à un chasseur. Adélaïde, fille de Louis XV et tante du roi actuel. Elle déteste mes habitudes dépensières, mais elle ne peut rien me faire. Au lieu de cela, elle s'en prend à Gabriel. Regardez-vous, vous n'avez pas du tout l'air d'une femme noble. Pas étonnant que les humbles serviteurs vous insultent en face. Vous les laissez partir sans les réprimander. Vous êtes une honte pour Versailles. Éloignez-vous de la reine immédiatement. Vous allez ruiner sa réputation en vous accrochant à elle toute la journée. Ou bien votre pathétique famille vous a-t-elle envoyé supplier la reine de vous aider à nouveau?
Non, non, ce n'est pas ça. Je souhaite juste être aux côtés de Sa Majesté. Gabrielle me regarde comme un petit chiot effrayé et sans défense. Je suis enragée. Je sais que cette femme est la tante du roi, mais ses paroles cinglantes et son attitude arrogante sont intolérables. Madame, je ne vous laisserai pas insulter Gabrielle davantage. C'est une personne gentille et attentionnée. Rien à voir avec ce que vous dites. Votre Majesté, comment osez-vous critiquer une princesse royale en faveur d'une duchesse mineure? Madame Adélaïde regarde les pâtisseries sur la table et sourit froidement. Quelques pâtisseries en échange du remboursement de vos dettes et une si pitoyable démonstration de gratitude. Vous êtes la reine de France maintenant, pas une princesse autrichienne. Arrêtez de vous languir de ces choses autrichiennes. Ce n'est pas la place de sa majesté, j'ai proposé de les lui préparer. Madame, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Je suis simplement venue vous rendre une visite de courtoisie. Je ne m'attendais pas à tomber sur la duchesse de Polignac. Mais puisqu'elle est ici, j'aimerais l'inviter dans mes appartements pendant un certain temps. Votre Majesté... Gabrielle m'a dit qu'Adélaïde lui fait subir toutes sortes d'abus humiliants, et je n'arrive pas à croire qu'Adélaïde ose me le demander. Les yeux rouges et gonflés de Gabrielle sont incroyablement dérangeants, et au moment où je m'apprêtais à rejeter Adélaïde, elle sourit cruellement. Votre Majesté, je veux simplement l'inviter dans ma chambre pour un moment. Pourquoi cette hésitation? Je ne peux pas. Je suis sûre qu'elle va faire quelque chose de terrible à Gabrielle. Mais si je dis non, cela va-t-il causer encore plus de problèmes? Après mûre réflexion, je prends une grande inspiration, je ferme les yeux et je réponds. Non! Gabrielle, c'est gentil avec moi. Je ne peux pas l'envoyer se faire torturer. Je suis la reine de France après tout. Peu importe à quel point tout le monde me déteste, je peux au moins sauver une amie. Madame, j'ai bien peur que la duchesse de Polignac ne soit pas libre de partir. Nous avons des projets aujourd'hui. Si vous souhaitez vraiment l'inviter, je vous suggère de choisir un autre jour. Votre Majesté, je suis la fille de Louis XV. Je suis votre aînée et vous me devez le respect. Alors le respect, ça ne se doit pas, connasse. Pardon. Je suis reine, pardon. Mais les yeux de la reine passent avant tout, n'est-ce pas? Si vous insistez pour me la prendre, je serai gênée. Bien sûr, vous êtes la maîtresse du château de Versailles. Qui mettrait en doute vos ordres? Mais votre majesté, vous semblez aimer la compagnie de toutes sortes de gens grossiers. Essayez de vous abstenir de faire quoi que ce soit qui puisse faire honte à la famille royale. Merci de m'avoir sauvée, de m'avoir aidée. Oh. Je ne sais pas ce que je ferai sans vous. Je ne vous abandonnerai pas, quoi qu'il arrive. Ne pleurez plus. Ne laissez pas de mauvaises personnes vous contrarier. Vos pâtisseries sentent bon. Puis-je les manger maintenant? Bien sûr, j'espère qu'elles vous plairont. Oh, que c'est beau. Que c'est beau. Le sourire de Gabrielle illumine mon cœur. Les choses commencent à aller mieux. Et je ne peux pas dire si ce sentiment appartient à Marie ou à moi. Vous vous débrouillez bien. Jetez un coup d'œil à la récompense que je vous ai préparée. Ah. Ok. Waouh, quel joli chat. Ils sont vous appréciés. Les chats vous accompagneront dans les livres d'histoire. Ils peuvent également contribuer à augmenter vos points pour le changement de tenue. Faisons un essai. D'accord. Faisons un essai. Ok. Bon. On va quand même faire le chapitre 3 et puis je pense qu'on s'arrêtera après. Aujourd'hui, un marchand est arrivé au petit Trianon. Avec une mystérieuse valise. Je ne sais pas ce que sa venue présage. D'accord. Le parfum des fleurs ainsi que les doux rayons du soleil à la fenêtre me réveillent. C'est une belle matinée. Des fleurs? Je n'ai généralement pas de fleurs dans ma chambre. Laura m'a-t-il envoyé une surprise? Oh mon Dieu, des roses blanches, elles sont magnifiques. De délicates roses blanches sont empilées tout autour de mon lit. Une enveloppe bordeaux avec un seau d'argent se trouve au-dessus des roses. Elle attire mon attention. Je la ramasse et je sens un parfum que je n'ai jamais senti auparavant et qui m'est pourtant étrangement familier. Je murmure un nom. Monsieur de Fersen ?
Le comte Fersen est venu de Suède pour poursuivre un rêve, mais qui, au lieu de cela, a trouvé le véritable amour. Marie l'a rencontré lors d'un bal costumé, et de cette rencontre fortuite est né un amour passionnel. Ma princesse, la guerre est enfin terminée. Je suis enfin sur le chemin du retour. Votre voix d'ange, votre sourire et vos yeux remplis d'étoiles me manquent. Dès qu'il s'agit de vous, tout me manque. Pensez-vous un peu à moi? J'ai tant de choses sur le cœur, mais je veux les dire en regardant vos beaux yeux. J'espère que vous pouvez ressentir à quel point j'ai envie d'être à vos côtés, mais je n'ai que ces roses blanches pour exprimer les sentiments immuables que j'ai pour vous depuis toutes ces années. Tendrement, Fersen. Cette lettre, c'est trop audacieux. Je peux sentir l'amour passionnel de Fersen pour Marie dans sa lettre. Mon cœur bat la chamade. Je relis la lettre en essayant de démêler mes sentiments de ceux de Marie, mais cela ne fait que raviver ses souvenirs. Vous méritez tout l'amour du monde. Vous êtes unique. Aucun mot ne peut décrire vos vertus. Non, ne pleurez pas. Vos larmes vont briser mon cœur. Je dois participer à la guerre en Amérique pour prouver ma valeur à toute la Suède. Le Nouveau Monde est le terme collectif inventé par les Européens pour désigner les continents américains et les îles des Caraïbes encore non découverts. Pendant l'ère Bourbon de la France, ce terme était souvent utilisé pour désigner la colonie nord-américaine. Pendant la guerre révolutionnaire américaine, il était également utilisé pour désigner le pays nouvellement indépendant. D'accord. Vous me connaissez le mieux, et vous êtes mon plus grand soutien. Je veux vous rendre fier et devenir quelqu'un qui peut vous protéger. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour que je puisse revenir vers vous, mais chaque fois que je penserai à vous, j'embrasserai la breloque de rose blanche que vous m'avez offerte. Lafayette est revenu de la guerre, donc Fersen ne doit pas être trop loin. Comment devrais-je lui faire face? Marie, pourquoi vous êtes si rouge? Oh, c'est Fersen, c'est d'un romantique désespéré. Je pense que vous le rencontrerez au banquet dans 2 jours. Le banquet? Le banquet de bienvenue de nos héros de guerre. Vous cherchez un grand accessoire pour l'occasion, n'est-ce pas? Un bijoutier du nom de Beaumer est venu pour vous voir. Il a apporté un collier très spécial. Charles-Auguste Beaumer est un joaillier parisien. Sous le règne de Louis XV, le roi lui commanda un collier de diamants d'une valeur de 2 millions de livres pour en faire un cadeau à sa maîtresse, Madame du Barry. Mais à la mort de Louis XV, Madame du Barry est bannie de la cour et le collier se retrouve sans propriétaire. Il me semble que Madame du Barry, c'était une prostituée avant d'être la maîtresse de Louis XV. Donc elle était très très mal vue au château. Alors, roturière sûre et certain, prostituée, je ne suis pas sûre, mais il me semble. Lorsque Louis XVI monte sur le trône, Beaumer s'adresse à 2 reprises à la reine Marie pour tenter de lui vendre le collier, mais il est refusé à chaque fois. D'accord. Un collier unique? Je suis curieuse. Je ressens le besoin d'être la femme qui attire le plus d'attention lors du banquet. Un désir auquel je souhaite me livrer de tout cœur. Excellent. Je suis impatiente de le voir. Allons le voir. Peut-être le porterez-vous au banquet? Allons-y. En allant au salon, je me regarde dans le miroir et je me rends compte à quel point je suis décoiffée à la sortie du lit. Oh, j'ai failli oublier. Je dois d'abord me rafraîchir. Gabrielle m'arrête soudainement et me tend un paquet cadeau. J'ai toujours voulu vous donner ça. Vous pourriez en considérer cela comme un nouvel accessoire de votre collection? Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Alors, je suis pas bijou à la base, mais bon. Merci, Gabriel. Je le chérirai pour toujours. Alors, formel et délicat. D'accord. Formel et délicat. D'accord. Léger et élégant, non. Oh, ça faut le télécharger. Voilà, vraiment ça se fait vite.
Je crois que ça sert à rien en fait. Ça c'est juste pour mettre un fond derrière, donc ça sert un peu à rien. Je crois que c'est pour prendre des photos, ça. Le chat. Voilà. Dis-moi, j'ai pas besoin des chats pour le coup, mais bon, autant s'en servir, ils sont là. Oh, elle nous a fait un clin d'œil. Votre Majesté, je suis bijoutier, Votre Majesté, et je m'appelle Beaumère. Je suis ici aujourd'hui pour vous montrer un trésor. Mon partenaire et moi avons passé 2 ans à fabriquer ce collier à partir de plus de 600 diamants. Nous pensons qu'il convient parfaitement à la beauté de Votre Majesté. Nous sommes ici pour vous le présenter. Oh, le fameux collier. Le fameux collier. Mon Dieu, quel magnifique collier. Marie, je pense que vous êtes la seule personne assez belle pour le porter. J'ai entendu dire que le précédent roi avait un jour commandé un grand collier pour Madame du Barry. Cette histoire est vraie, ça devrait être celui-là. Mais oui, Madame est bien avisée de connaître ses origines. J'en ai seulement entendu parler. Quel dommage que Madame du Barry ait été renvoyée de la cour et qu'elle n'ait jamais posé ses yeux sur le collier. Mais c'est peut-être la volonté de Dieu. Madame du Barry n'y est plus favorable et a perdu le droit de le porter. Marie, avec votre beauté et votre statue, vous êtes la seule à pouvoir porter un tel collier. Oui, c'est vrai. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Achetez-le et faites-le et laissez-le complimenter votre beauté. Nous ne vous demanderons que le prix modique de 1600 livres. Une ancienne monnaie française sous le règne de Louis XV. Oui, 11 d'or valait 740 livres. Lorsque l'affaire du collier s'est produite, les dépenses annuelles d'une famille typique de 3 personnes s'élevaient à environ 400 livres. Hey, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Bon, malheureusement, j'ai pas la conversion en euros, mais ça fait beaucoup. 1600 livres? Combien d'années de dépenses de palais est-ce que ça représente? Votre Majesté mérite des bijoux à la hauteur de sa stature. Ce collier est assez majestueux pour la royauté. C'est un excellent achat. Seule Votre Majesté mérite un tel collier. Oui, seule la royauté aurait les fonds nécessaires pour l'acheter. Mais Louis XV ne peut plus se le permettre. Est-ce pour cela que Beaumère est là? Que pensez-vous, Votre Majesté? L'éclat des pierres précieuses et captivantes est tant de ma vanité. Mais je ne devrais pas payer l'équivalent d'années de dépenses du palais. Et cet argent pourrait nourrir tant de civils. Devrais-je vraiment acheter cela par pure vanité? Voilà, vous voyez, attention, cette décision va radicalement changer l'histoire. Alors, ce que je vais faire, vu que cette vidéo va s'arrêter avec ça, je vais faire une mauvaise fin. Voilà, je vais vous faire une mauvaise fin, comme ça on pourra terminer cette vidéo comme ça. Mais la prochaine fois, on fera entre guillemets, une bonne fin. En fait, on continuera l'histoire. Donc, on va acheter le collier. Voilà, mon petit doigt me dit que quelque chose de mauvais va arriver si on choisit cette option. Vous êtes sûr de vouloir choisir ça? Voilà, donc clairement, elle nous le dit. Hein, simplement, on va aller... Alors, historiquement, quoi que je vais pas vous le dire. Le jeu va nous le dire lui-même. Si j'achète ce collier, le peuple français risque d'avoir une opinion de moi encore plus mauvaise et de me détester encore plus. Mais je doute qu'ils changent leur opinion même si je ne l'achète pas. Le diable sur mon épaule me dit d'acheter le collier et je ne peux plus résister à la tentation. Je vous l'achète. Votre Majesté, quelle brillante décision. Je suis sûre que le collier devrait être remis à son propriétaire légitime dès que possible. Quand souhaitez-vous effectuer le paiement, Votre Majesté? Ne vous inquiétez pas, je vous l'enverrai dès qu'il sera prêt. Dans ce cas, je vais prendre congé, Votre Majesté. J'attendrai que Votre Majesté fasse honneur à mon humble boutique. Gabriel, j'ai hâte de porter ce collier. Quand je le mettrai enfin, je serai ravie. Oui, vous serez la plus belle de tout le royaume de France. Que dis-je, la plus belle du monde. J'étais loin de me douter que le collier me coûterait bien plus que des livres et qu'il provoquerait une véritable catastrophe. Voilà, ça c'est une mauvaise fin. Génial, vous avez obtenu une fin qui vous appartient pour cette histoire. Appuyez ici pour découvrir d'autres fins passionnantes. Voilà. Voilà, il suffit de refuser le collier et vous pourrez connaître un dénouement différent. Historiquement, la reine n'a jamais acheté ce collier bien qu'elle ait été en définitive emportée par la révolution. Vous ne pouvez pas nier que cela aurait pu arriver. En effet, cela aurait pu. Voilà. Voilà, donc là, on a débloqué une des fins. Une mauvaise fin, bien sûr. Hein. Mais voilà. Voilà donc le petit jeu que je vous propose à côté de mes différents rétro gaming et de mes redifs de live. Voilà. Non, ouais. Annulé. Alors, on obtient ça. C'est cool. Voilà.
On a obtenu une tenue au passage. Cette option nous a conduit à une mauvaise fin. Ne vous tracassez pas, vous pouvez toujours rejouer ce niveau. Essayons de changer le destin en choisissant une nouvelle option dans l'histoire. Voilà, mais on va pas la faire. Bouge là. Oh, alors évidemment, comme on est sur un... Voilà. Voilà. Donc, cette vidéo va s'arrêter ici. J'espère que ce petit jeu vous plaira. Donc, c'est vraiment un visual novel. Et comme je le dis, en fait, il y a vraiment la possibilité... Voilà. Il y a vraiment la possibilité, en fait, de faire plein d'histoires différentes. Donc voilà, donc je suis sûre qu'il y aura vraiment moyen de s'amuser, parce que comme je dis, il y a des histoires historiques, il y a des histoires fantaisistes, Mille et une nuits et tout ça, il y a vraiment moyen d'avoir des trucs chouettes, et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, allez, ciao tout le monde, bisous bisous.